بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته البررة الميامين. أما بعد، donc mes chers frères et sœurs, en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné cette opportunité en ce matin de pouvoir continuer par sa grâce et par sa miséricorde les cours sur la sira. La première des choses que vous devez retenir, c'est déjà l'importance de ces cours-là. L'importance de ces cours. Car bon nombre de personnes aujourd'hui ne font pas beaucoup attention à apprendre la sira. Il y a beaucoup de matières en islam, beaucoup à apprendre. Mais malheureusement, la sira est un peu, je dirais, délaissée. Pourtant, à travers la sira, que notre amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam augmentera, et comme on l'a dit dans des cours précédents, plus on apprendra de sa vie, de sa biographie, plus on l'aimera. Et plus on l'aimera, plus on apprendra de sa vie et de sa biographie. C'est un cercle vertueux. Donc, plus on apprend à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on va l'aimer. Et plus on l'aime, plus on va apprendre. Donc, moi, je suis celui désigné pour pouvoir vous donner des cours. Donc, je m'appelle Abou Bakr Bari, mon nom de famille. Donc, je suis imam à la mosquée de Castres et directeur de l'Institut Adab, qui a plus de 150 élèves, falilah alhamd. Donc, j'ai été désigné par les responsables de Dars Institute, à l'Institut de MyDars, pour pouvoir vous donner les cours de Sira. Donc, alhamdoulilah, cet institut-là, MyDars, c'est un institut qui est différent de beaucoup d'autres instituts par sa vision, par son organisation, et par ces professeurs qui sont très compétents, hein, bien qualifiés et très compétents. Donc, je vous encourage de pouvoir vous inscrire et vous n'allez pas regretter. Et de pouvoir aussi en parler autour de vous, de pouvoir inciter d'autres personnes à s'inscrire. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, « Addalu ala al-khayri » celui qui indique une voie de bien aura la même récompense que celui qui aura pratiqué ce bien-là. Donc, c'est un institut qui est inédit pour les francophones avec des professeurs qualifiés, des professeurs qui sont performants dans leur travail et qui sont très bien organisés. Donc, je vous encourage de le faire. Vous avez le site internet mydars.net, vous avez toutes les informations et vous savez que vous pouvez choisir le mode de cours que vous voulez, c'est-à-dire il y a par exemple les cours My Aqida, hein, sur la Aqida, My Fiqh sur le Fiqh, hein, My Sira sur la Sira. Vous pouvez aussi choisir à la carte. Il y a des cours qui seront aussi donnés à la carte. Donc, tous ces renseignements-là, vous les avez sur le site internet de MyDars. Donc, je vous, Inch'Allah, indique ces choses-là, ces informations qui seront très, très, très importantes pour vous et pour d'autres personnes de vous inscrire. Ça, c'est important. Parce que les cours, nous sommes toujours dans l'introduction et aujourd'hui, ça sera la dernière des introductions dans la Sira. À partir du samedi 4 avril, Inch'Allah ta'ala,
les cours vont commencer. Donc, on va rentrer vraiment dans le vif de tous les sujets. Les cours vont réellement commencer en ce moment-là. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas perdre du temps, de vous inscrire afin de pouvoir profiter. Car la connaissance, c'est une lumière. La connaissance, c'est une lumière. Et l'ignorance, ce sont des obscurités. Et celui qui marche dans l'obscurité est voué à sa propre perte. Donc, connectez-vous, prenez les renseignements qu'il faut, inscrivez-vous et surtout suivez les cours avec le plus grand sérieux. Donc, pour ma part, on revient sur les cours de Sira. Allah Azzawajal a raconté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les histoires des messagers avant lui pour nous prouver que apprendre la sira, l'histoire de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre très cher et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est d'une importance inégalable. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Que ce verset suffit pour nous comme importance à apprendre la sira. Donc vous voyez, Allah Azzawajal raconte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les récits des messagers avant lui, et Allah dit l'objectif c'est Man yuthabbitu bihi fu'adak, afin de raffermir ton cœur. Et vous savez très bien que le monde aujourd'hui est bousculé. Le monde aujourd'hui est rentré dans une phase où les gens sont en train de plonger dans les souffrances, les épreuves, les inquiétudes. Hein? Et vous savez très bien avec l'actualité, hein, ce qui se passe aujourd'hui, le Covid-19, coronavirus en parenthèse, tout le monde est étonné. Et la plupart des gens ne savent même plus quoi faire. Donc, c'est le moment de revenir à la sira. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été éprouvés, les compagnons ont été éprouvés. Il y a eu même des épidémies. Il y a même des livres sur l'histoire des épidémies qui ont été écrits par des éminents savants, tels que Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il a écrit un livre sur les épidémies. Subhanallah. Donc, nous, en tant que musulmans, quand nous vivons ce genre de choses, si nous connaissons la sira et si nous lisons et nous apprenons l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, nous serons dans ce verset-là. Man yuthabbitu bihi fu'adak, afin de raffermir ton cœur. Et cela va raffermir nos cœurs. Cela va tranquilliser nos cœurs. Et nous n'allons pas céder ni à la panique, ni à la peur exagéré, nous serons sereins, tranquilles. Car Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Man yuthabbitu bihi fu'adak, et tout ce que nous te racontons, des récits, des messagers avant toi, c'est pour raffermir ton cœur. Et Allah azzawajal dit aussi, à la fin de ce verset-là, il y a dans ceci, hein, de ce qui t'est parvenu, dans ce qui t'est parvenu, il y a la vérité. Et aussi une exhortation et un rappel, hein, pour les croyants. Donc, une exhortation, un rappel pour les croyants. Donc, ce qui veut dire que nous sommes aussi concernés. Ce verset est descendu sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous sommes concernés. Je répète, verset important. C'est la droite numéro 11, le verset, c'est le verset numéro 120. Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Et tout ce que nous te racontons, des récits, des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. C'est pour en raffermir ton cœur
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Et de ceci t'est parvenu la vérité, et auquel la vérité auquel il y a aussi la vérité à laquelle il y a une exhortation et un rappel pour qui Allah dit wa dhikra lil mu'minin, et un rappel pour les croyants. Donc ça c'était pour vous remettre un peu dans le bain sur l'importance d'apprendre la sira. Ensuite, pour ceux qui nous ont suivis, nous étions sur l'histoire de Abd Manaf. Abd Manaf, qui peut me rappeler qui est Abd Manaf parmi ceux qui sont connectés? Qui peut nous rappeler qui est Abd Manaf? Donc, vous pouvez envoyer la réponse par écrit. Vous savez qu'avec Zoom, il est possible de pouvoir discuter par écrit aussi. Voilà. Donc, je vois les messages. Voilà. Donc, je vois les réponses. Oncle du prophète, je crois, non. Ce n'est pas l'oncle du prophète, le fondateur de Quraysh, le fils de Qusay, très bien. Celui qui, le frère Bachir, qui a dit c'est le fils de Qusay. Très bien. Donc, pour ceux qui ont suivi, on appelle ça, les cours jusqu'à présent, il faut savoir que l'histoire, c'est une... c'est une succession d'époques, de périodes et de personnes, des personnes qui ont vécu pendant ces périodes-là. Donc, il y a, comment on appelle ça, un genre de chronologie. Donc, c'est bien de suivre cela, hein, savoir qui est Abd Manaf. Si vous savez qui il est, vous saurez qui sont ses descendants, un par un, jusqu'à arriver au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous revenons tranquillement sur le cours, inshallah ta'ala, bien de revoir les vidéos que nous avons déjà faites, hein, sur le sujet, afin de vous remettre dans le bain. Donc, Abd Manaf, donc vous voyez sur l'écran là, Abd Manaf ibn Qusay. Donc, Abd Manaf, c'est un surnom qu'il a été donné, hein, Abd Manaf, sinon son vrai nom c'est Al-Mughira. Son vrai nom c'est Al-Mughira. Donc, c'est quelqu'un qui a été connu pour sa beauté. C'était quelqu'un qui était connu pour sa beauté. Et j'avais commencé la dernière fois à vous raconter l'histoire des deux jumeaux qu'il avait eus, qui sont Hashim et Abd Shams. Hashim et Abd Shams. Sachant que, voilà, donc, il faut éviter d'enclencher vos vidéos. Il faut pas, mais voilà, normalement nous avons désactivé les vidéos, mais bon, je vois qu'il y a des personnes qui essayent de le faire. Donc il faut faire attention, voilà, et suivre attentivement, inshallah ta'ala, afin que on puisse tous comprendre. Donc Abd Manaf, de son vrai nom Al-Mughira, donc, qui est parmi ses enfants, hein, il n'avait pas que deux enfants, il avait plusieurs enfants. Et parmi ses enfants, il avait deux jumeaux qui sont Abd Shams et Hashim. Abd Shams fut le premier qui sortit du ventre de sa mère et qui a été suivi par Hashim. Et l'histoire dit que lorsque ces enfants-là sont venus au monde, vu que ce sont des jumeaux,
Il y avait une particularité. Ceux qui avaient assisté à l'accouchement ont dit que le doigt de l'un était collé à la tête de l'autre. Et quand ils ont pu les séparer, il y a eu du sang, ce qui est normal. Et les gens qui étaient autour ont profité de cela pour dire que entre ces deux personnes et leurs descendants, il y aura du sang. Il y aura, c'est-à-dire de la rivalité, des conflits qui peuvent même mener à des bains de sang. Et si on regarde bien l'histoire, il y a eu des rivalités entre ces deux personnes. Et d'où cette rivalité a continué avec le temps et ce qui a été à l'origine même, disons, des deux grandes dynasties qui ont été connues, la dynastie des Abbassides et la dynastie des Omeyyades. La dynastie des Abbassides et la dynastie des Omeyyades. Certains historiens disent que Abd Shams a caché en lui cette rivalité ou cette animosité ou ce ressentiment, il l'a caché. Et cela est apparu surtout sur l'un de ses enfants, un de ses enfants, son fils Omeyya. Et c'est à partir de Omeyya ibn Abd Shams, Omeyya fils de Abd Shams, c'est à partir de Omeyya que cette rivalité a été encore manifestée, a été vue, a eu beaucoup de répercussions du fils de à partir du fils de Abd Shams. Donc Abd Shams et Hashim, il y avait cette rivalité-là, mais ça ne s'est vu vraiment que lorsque le fils de Abd Shams est venu au monde et qu'il a grandi et qu'il a pris cette rivalité-là vraiment à cœur, en parenthèse, et c'est lui-là qui s'appelle Omeyya Abd Shams, et c'est de là Omeyya vient la dynastie des Omeyyades. Donc, tellement la rivalité était qu'il y a eu des arbitrages entre les deux, entre Omeyya et son oncle Hashim. Donc, suivez très bien, entre Omeyya et son oncle Hashim, il y a eu cette rivalité, donc il y a eu des arbitrages, il y a eu des gens qui ont intervenu, et Omeyya a perdu. Ceux qui ont arbitré cette rivalité ont donné raison à Hashim, son oncle, l'oncle d'Omeyya. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a perdu, il a été exilé de 10 il a été exilé de 10 ans et son exil était au Cham. Donc il est allé s'installer au Cham en exil pendant 10 années. Donc il a choisi pour son exil d'aller au Cham. Ensuite, Hashim, on avait un peu parlé de lui la dernière fois. Il s'appelle Hashim. L'origine de ce nom-là, les savants de l'histoire disent que parce qu'il a été le premier à émietter du pain, à le mélanger dans de la sauce avec des morceaux de viande, ce qu'on appelle tharid en arabe. Le tharid, qu'il a été le premier à le faire pour l'offrir aux Hujjaj, les pèlerins qui venaient de toutes les contrées, il leur offrait cette nourriture-là et de là, il a été nommé Hashim. Certains disent Hashim, ça vient Hashmuljia, celui qui, pendant la disette, pendant la famine, donne à manger aux gens qui ont faim. Voilà. Donc, c'était quelqu'un de généreux, c'était quelqu'un voilà, qui s'occupait très bien des pèlerins. Maintenant, Hashim, il a épousé une femme de Yathrib. Hashim épousa une femme de Yathrib qui s'appelait Salma bint Amr. Et c'est elle qui a mis au monde Abdul Muttalib. Elle qui a mis au monde Abdul Muttalib. Et qui est Abdul Muttalib? Qui est Abdul Muttalib? Je pense que vous devez connaître la réponse. Abdul Muttalib n'est autre que
le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, Abdul Muttalib. Donc, nous revenons tranquillement. Hashim a épousé une femme de Yathrib. Et vous savez, Yathrib, c'est l'ancien nom de Médine, Madina. L'ancien nom de Médine, c'était Yathrib. Donc, Hashim épousa une femme de Yathrib qui s'appelait Salma bint Amr. Et elle faisait partie de Banu Najjar, la tribu de Bani Najjar. Donc, elle mise au monde Abdul Muttalib, qui est le grand-père de notre très cher et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceci dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait des cousins lointains à Yathrib. Et parmi ces cousins lointains, les historiens disent, il y a le noble compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ayyub, Abu Ayyub al-Ansari. Parmi les cousins lointains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le noble compagnon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, car il était aussi de là-bas, de Al-Yathrib. L'ancien nom, je répète bien, de Médine. Ensuite, Hashim, il est mort dans l'un de ses voyages de commerce. Donc, si vous vous rappelez bien, on vous avait parlé des deux voyages, Rihlat al-Shita wa al-Sayf, donc les caravanes qui voyageaient en été et qui voyageaient en hiver. Donc en été, ils allaient au Sham, en hiver, ils allaient au Yémen, si vous vous rappelez très bien le cours de la dernière fois. Lors de l'un de ces voyages, Hashim est décédé. Et il est décédé où? Il est décédé à Gaza. Gaza en Palestine. Gaza. D'où Gaza s'appelle aussi Gaza tu Hashim. Gaza a aussi un nom, Gaza tu Hashim. Donc ici, nous terminons l'histoire sur Hashim. Ensuite, nous allons sur Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ne s'appelle pas en vérité Abdul Muttalib. C'est aussi toujours des titres qui lui ont été donnés. Donc, de son vrai nom, c'est Shaybatul Hamd. Shaybatul Hamd. Shayba, en arabe, qui veut dire ceux qui ont, par exemple, les cheveux blancs, hein, Shayba, la blancheur sur les cheveux qui montre quelque part l'âge avancé de la personne et tout ça. Donc, les ulama de l'histoire disent que vient de Shaybatul Hamd. Et pourquoi il s'appelle Shaybatul Hamd? Les savants de l'histoire disent que lorsqu'il est né, lorsque Abdul Muttalib est né, il avait, certains disent un cheveu, d'autres disent quelques cheveux blancs sur la tête. À sa naissance, il avait quelques cheveux blancs sur la tête. Et quand les gens ont vu ça, ils ont dit, mais un enfant, un bébé qui vient de naître, qui a quelques cheveux sur la tête, des cheveux blancs, donc c'est un signe magnifique, hein, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ils l'ont appelé Shaybatul Hamd, d'où son nom Shaybatul Hamd. Donc il a grandi à Yathrib, hein, là où sa mère était, et un jour son oncle à lui qui s'appelle Muttalib, son oncle, l'oncle de Shaybatul Hamd s'appelle Muttalib. Donc lui, Muttalib, il est venu à Yathrib, il a pris l'enfant et il le ramena à la Mecque, à Makkah,
afin qu'il puisse vivre un peu de temps avec ses qu'il puisse vivre un temps avec ses oncles paternels. Donc, je répète, si il y a eu coupure du son. Donc, Abdul Muttalib, de son vrai nom Shaybatul Hamd, quand il est né, il a grandi. Son oncle, qui s'appelle Al-Muttalib, est venu de la Mecque le récupérer, le ramener à la Mecque afin qu'il puisse vivre auprès de ses oncles paternels. Et comme on vous a dit la dernière fois, que la tribu des Quraysh sont une tribu qui était installée à la Mecque. Mais la mère de Abdul Muttalib, elle vient de Yathrib. Donc son oncle paternel est venu à Yathrib le récupérer pour le ramener à la Mecque avec lui afin qu'il puisse vivre auprès de ses oncles paternels, pour que ses oncles paternels puissent le connaître. Et quand il est arrivé à la Mecque avec l'enfant, les gens, en voyant l'enfant, ont dit, c'est l'esclave de Al-Muttalib. Et l'esclave en arabe, on dit Abd. Donc de là est venu Abdul Muttalib. Et les gens se sont habitués à l'appeler comme ça, jusqu'à ce que c'est, en parenthèse, c'est devenu le nom par lequel il est connu, son sobriquet Abdul Muttalib. Donc je répète, Abdul Muttalib, car son oncle s'appelle Al-Muttalib, il est allé le récupérer à Yathrib pour le ramener à la Mecque afin qu'il fasse connaissance avec ses oncles paternels qui sont à la Mecque afin de vivre avec eux. Et les gens le voyant avec Al-Muttalib, ils ont dit, mais c'est l'esclave de Al-Muttalib, donc de là Abdul Muttalib. Ensuite, par rapport à Abdul Muttalib, il y a trois choses à retenir. Trois choses. La première des choses, la redécouverte de Zamzam, du puits de Zamzam. Deuxième des choses, le vœu qu'il fit afin de sacrifier un de ses enfants. Et troisième chose à retenir, c'est l'événement de l'éléphant. L'événement de l'éléphant. Donc voici trois choses à connaître par rapport à Abdul Muttalib. Premièrement, la redécouverte du puits de Zamzam. Deuxièmement, le vœu qu'il fit afin de sacrifier un de ses enfants. Et troisièmement, l'événement de l'éléphant. Donc, nous allons commencer par le premier point, la redécouverte de Zamzam. Pourquoi parlons-nous de redécouverte de Zamzam? Ceux qui ont assisté au cours dernier, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au puits de Zamzam? Pour que nous parlions de redécouverte. Si quelqu'un peut nous, Inch'Allah ta'ala, faire un petit rappel là-dessus, ne serait-ce que par écrit. Que s'est-il passé pour qu'on parle de redécouverte de Zamzam? Oui. Qui peut nous dire ce qui s'est passé? Le puits a été enterré. Très bien. Le puits a été enterré par qui? Qui est-ce qui a enterré le puits? Le puits a été enterré pendant 3 siècles, 300 ans. Mais par qui? Pour ceux qui ont suivi le cours. Par les Djurhum. Très bien. Et pourquoi les Djurhum? Pourquoi les Djurhum, la tribu de Djurhum, plutôt, ont enterré le puits? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il le fasse? Pendant la guerre, avec qui? Qui est-ce qui les a attaqués? Parce que la tribu de Djurhum était à la Mecque. Hein? Ils étaient de passage. Val-Khuza'a, très bien. Donc, lorsque Bani Khuza'a, ils ont attaqué les Djurhum et les Djurhum ont pensé qu'ils allaient perdre la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enterré
ils ont enterré le puits de Zamzam et leurs historiens c'est resté comme ça pendant 300 ans. Donc la redécouverte de Zamzam est attribuée à qui? Est attribuée à Abdul-Muttalib. Comment ça s'est passé? Les historiens racontent que Abdul-Muttalib a pris son fils Al-Hashim. Donc Abdul-Muttalib avait beaucoup d'enfants, disons. Donc il a pris l'un de ses enfants, Al-Harith, Harith, son enfant, pour aller creuser. Donc Mohammed ibn Ishaq, le grand historien, a dit pourquoi il prit son enfant Al-Harith pour aller recreuser ou pour aller forer le puits de Zamzam. Il racontait que, d'après Mohammed ibn Ishaq, que Abdul-Muttalib était endormi un jour devant la Kaaba. Et étant endormi, il reçut dans un rêve d'aller forer le Zamzam. Donc, il dormit en face de la Kaaba et il fut un songe, un rêve. Dans ce rêve-là, il lui a été indiqué ou lui a été dit d'aller reforer le puits de Zamzam. Donc, après avoir eu la conviction de ce songe, il prit son fils Al-Harith avec lui et tous deux allèrent ensemble avec une pioche pour aller creuser. Ça, c'est une version de l'histoire. Ensuite, qu'il continua de creuser, jusqu'à ce qu'il ait tombé sur la bouche du puits. Et le puits s'est rouvert par la grâce d'Allah, et il a crié la grandeur d'Allah. Il a crié très fort la grandeur d'Allah, et les Quraychites ont entendu cela. Et quand ils ont entendu cela, ils ont su que Abdul-Muttalib avait redécouvert le puits. Et quand les gens ont entendu cela, ils sont tous venus, ils ont tous accouru vers lui. Et une fois en face de lui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ce puits est le puits de notre ancêtre Ismaïl. Donc, tu ne peux pas te l'attribuer à toi seul. Donc, associe-nous dans la gestion de ce puits. Une fois que Abdul-Muttalib a redécouvert le puits des Zamzam, les gens accoururent et une fois qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ce puits est le puits de notre ancêtre Ismaïl. Donc, tu dois nous associer à sa gestion. Abdul-Muttalib refusa. Il dit, non, j'ai creusé avec mon fils et vous m'avez pas aidé à creuser ce puits-là. Donc, la gestion de ce puits m'est réservée. C'est-à-dire l'honneur de la gestion de ce puits-là m'est réservé. Donc, ils se disputèrent par rapport à cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque tribu, chaque clan plutôt, de la tribu des Quraysh, chaque clan envoyait une personne et ils ont dit, pour trancher entre vous, il faut un arbitre. Et cet arbitre-là n'est autre qu'une devinesse, un oracle, une femme. Devinesse féminine de devin et devineresse plutôt en français, ce qui est le féminin de devin. Il faut aller voir cette femme-là qui tranchera entre vous. Donc, ils se mirent d'accord pour aller voir une femme qui est de la tribu des Bani Saad ibn Huzaym. Une femme des Bani Saad ibn Huzaym qui était une devineresse, un oracle. Ah bon, ce qui n'est pas permis en islam, vous savez très bien. Bon, ici, on parle de la période pré-islamique. Hein, donc, faut pas que ça vous étonne trop, puisque c'est la période pré-islamique. Donc, ils dirent d'aller voir cette femme-là qui va être arbitre par rapport à votre dispute sur la gestion du Zamzam. Ils partirent ensemble. Donc, Abdul-Muttalib et avec une personne de chaque clan de la tribu des Quraysh firent le voyage ensemble. Ils sortirent en plein canicule, hein, c'était en pleine canicule, il faisait très chaud.
Et ils sont arrivés à un moment où ils n'avaient plus d'eau. Ils n'avaient plus d'eau. Il faisait très chaud et les provisions d'eau qu'ils avaient prises avec eux s'épuisèrent. Et ils ont rencontré des voyageurs aussi. Ils leur ont demandé de partager l'eau avec eux. Ces personnes-là aussi ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur aussi pour leur vie. Vous savez, la vie dans le désert n'est pas facile, surtout le voyage. Donc, ce qui fait qu'ils sont arrivés à un point, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons plus d'eau. Nous ne sommes pas arrivés à destination. Ça veut dire, entre parenthèses, nous allons tous mourir. Que faire? Donc, ils se sont réunis, ils ont discuté ensemble et ils ont émis l'idée que chacun creuse sa propre tombe. Abdelmoutallib a dit que le fait qu'il ne nous reste plus de force, si une personne parmi nous meurt, on va prendre chacun de la force pour l'enterrer et tout, et ça va être un problématique. Donc, que chacun utilise sa propre force qu'elle a actuellement pour creuser sa propre tombe. Donc, chacun se mire à creuser sa propre tombe. Une version dit que Abdelmoutallib, en creusant sa propre tombe, il tomba sur une fontaine où il y avait de l'eau. Donc, en creusant sa propre tombe, il y a de l'eau qui a jailli. Ça, c'est une version de l'histoire. Et quand l'eau a jailli directement, les autres, ils ont dit, on n'a plus besoin d'aller voir l'oracle, on n'a plus besoin d'aller voir la devineresse. Pourquoi? Parce que Allah nous montre aujourd'hui que tu es digne, que tu es digne de gérer l'eau de Zamzam, car en plein désert, Allah a fait jaillir sous ta pioche, Allah a fait jaillir de l'eau en plein désert. Donc le même Allah qui t'a donné de l'eau en plein désert, c'est le même qui t'a fait redécouvrir l'eau de Zamzam à la Mecque. Donc nous n'avons plus besoin d'aller voir la devineresse. Nous te laissons la gestion de Zamzam. Donc le procès entre nous et toi est déjà réglé. C'est toi le responsable. C'est toi qui vas gérer Zamzam. C'est une version de l'histoire. Une autre version de l'histoire dit que Abdelmoutallib leur a dit, mais on ne va pas s'asseoir là et se laisser mourir. Donc nous allons avancer, nous allons continuer notre voyage. Et au moment où il a dit, nous allons continuer notre voyage, nous allons avancer, que sous les sabots de son cheval a jailli de l'eau, hein, de l'eau. Fontaine d'eau a jailli et ils ont dit la même chose, c'est-à-dire celui qui t'a donné cette eau en plein désert, c'est le même qui t'a fait redécouvrir l'eau de Zamzam. Donc nous te suivons, nous te laissons la gestion de Zamzam. Donc, ce sont deux versions, voilà, de l'histoire. L'essentiel, Allah subhanahu wa ta'ala a, par sa grâce, facilité ce jugement de sorte qu'il n'aille pas voir la devineresse et que la gestion de l'eau de Zamzam est revenue à Abdelmoutallib. Donc, ensuite, ils retournèrent sur leurs pas, une fois que cette affaire réglée. Donc, Abdelmoutallib, après cela, s'est occupé d'abreuver les pèlerins qui venaient à la Mecque afin d'accomplir leur pèlerinage selon les rites de leur époque. Ensuite, le deuxième point, si vous vous rappelez, c'est le vœu de sacrifier un de ses enfants. Ibn Ishaq toujours nous raconte, les historiens
on dit, lorsqu'il y avait ce fameux, disons, désaccord entre Abdul-Muttalib et les autres Quraychites, parce qu'il y avait ce désaccord par rapport à la gestion de Zamzam, Abdul-Muttalib se retrouvait avec son enfant Al-Harith. Il n'avait pas d'autres enfants, il y avait Al-Harith. Donc, ce qui fait que Abdul-Muttalib a fait un vœu. Il a dit, Oh Allah, si tu m'accordes 10 fils, 10 garçons, de sorte que ces 10 garçons, quand ils grandiront, pourront me défendre, j'en sacrifierai un pour toi. J'en sacrifierai un pour toi. Donc, s'il y a des coupures, vraiment, vous m'excusez parce que là où je suis ici, il y a un peu d'orage qui de pluie plutôt qui commence à se faire. Hein. Donc, ça fait que je pense que ça agit un peu sur la. Voilà, c'est comme s'il allait avoir un orage. Bref. Donc, je reviens à mon histoire. Abdul-Muttalib a fait ce vœu-là en disant, si Allah lui accordait 10 enfants, des garçons, si Allah lui accorde 10 fils, si Allah lui accorde 10 fils, de sorte que ces fils-là pourront le défendre plus tard, il en sacrifierait un devant la Kaaba à Allah Azzawajal. Il va le sacrifier pour Allah Azzawajal. Donc, et Allah lui donna 10 fils. Donc, le tableau que vous voyez là, ici, c'est le tableau de ces 10 fils-là. Dans certains livres d'histoire, il est marqué qu'il avait 13 fils. Donc, moi, je me suis basé sur la version la plus connue. C'est la version qu'il avait 10 fils. Donc, ces fils-là, vous voyez sur le graphique que je vous mets sur l'écran actuellement. Abdul-Muttalib, il est au milieu, autour, et il y a ses 10 fils. Donc, il y a Abdullah, il y a Abbas, Abu Talib, Al-Harith, Zihar, Hijl, ça c'est Hijl, Abu Lahab, le fameux Abu Lahab, Suratabat Yada Abi Lahabin Watab, Al-Muqawim, Az-Zubair, Hamza, et Abdullah, qui est le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus jeune de ses 10 enfants, le plus jeune de ses 10 enfants et le plus cher à son cœur. Le plus jeune de ses 10 enfants et le plus cher à son cœur. Donc, voilà. Une seconde, je remets la page. Voilà. Donc, Abdul-Muttalib, son vœu fut qui vont défendre leur père, il en sacrifierait un. Donc voici ces 10 fils-là que je viens de citer. Le graphique, il est devant vous, vous pouvez le regarder. Donc quand ces enfants-là ont grandi, Abdul-Muttalib les a réunis et il leur raconta le vœu qu'il avait fait. Donc ces enfants, ils étaient d'accord. Donc ils ont procédé à un tirage au sort. Ils ont procédé à un tirage au sort. C'est-à-dire que chaque enfant a écrit son nom. Ensuite, ils les firent entrer dans la Kaaba, à l'intérieur de la Kaaba, devant l'idole de cette époque, Hubal. Vous vous rappelez très bien de l'histoire que nous avons racontée de l'idole Hubal. Donc, il procéda au tirage au sort au moyen des flèches divinatoires. C'était une méthode qu'ils avaient
époque pour pouvoir faire le tirage au sort. Donc, ils ont procédé au tirage au sort avec les flèches divinatoires. Ensuite, ce qui est sorti de ce tirage au sort, c'était Abdullah. Abdullah, son plus jeune fils et aussi le plus cher à son cœur. C'est celui-là qui fut tiré au sort. Donc, son fils Abdullah fut tiré au sort. Donc, ça veut dire qu'il devait sacrifier Abdullah. Et vous savez très bien, Abdullah, c'est le père de notre très cher et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut savoir que les gens d'avant, ils étaient des gens de parole, ce qui est différent d'aujourd'hui, hein. Bon, il y a des gens de parole, mashallah, mais beaucoup ne tiennent pas parole, beaucoup s'engagent et malheureusement ne respectent pas les engagements. Ça se voit, hein, la multiplication des divorces, même chez nous dans la communauté musulmane, multiplication des disputes, des trahisons. On a beaucoup de problèmes, malheureusement, dans la communauté, parce que les gens s'engagent à des choses qu'ils ne font pas. Les gens, malheureusement, sauf ceux qu'Allah a comblés de sa miséricorde, ne sont plus des gens de parole. Alors qu'à leur époque, même dans le temps du paganisme, avec le shirk, avec tout ce qu'ils avaient de mal, ils avaient la parole. Une parole donnée était une parole qui devait être accomplie. Point à la ligne, ils étaient comme ça. Donc, il a fait un vœu de sacrifier un de ses enfants. Il a fait le tirage au sort par le biais des flèches divinatoires. C'est tombé sur son plus jeune fils, le plus aimé, le plus cher à son cœur. Et il a pris le couteau. Il est venu devant la Kaaba. Et il a voulu sacrifier son fils Abdallah devant la Kaaba. Il a voulu sacrifier son fils Abdallah. Et quand il a voulu le faire, les Quraychites sont accourus. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, oh Abdelmutallab? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sacrifier ton fils. Et en plus, il lui dire, tu vas sacrifier ton fils devant la Kaaba. Et c'était devant deux statues. Une statue qui s'appelait Issaf et l'autre statue Neila. Donc devant Issaf et Neila, tu vas sacrifier ton fils là où les Quraychites ont l'habitude de sacrifier, faire les sacrifices d'animaux. Ils disent, si tu le fais, les gens vont prendre ça comme une tradition et ils vont aussi sacrifier leur enfant. Donc, les dignitaires Quraychites ont accouru et ont stoppé Abdelmutallab. Ils ont dit, non, si tu sacrifies ton fils, en plus là où tu vas le sacrifier, c'est en face, devant les idoles Issaf et Neila, là où même les Quraychites avaient l'habitude de sacrifier leurs animaux, si tu le fais en sacrifiant ton enfant, ça sera une tradition pour eux de venir ici et sacrifier leur enfant. Donc nous te conseillons de ne pas le faire. Donc ils ont dit par Allah, tu ne vas jamais égorger ton fils. Et les Quraychites maintenant ont dit, quelle solution? Il a fait un vœu, mais il ne peut pas accomplir son vœu, mais il faut trouver une solution. Ils lui dirent que la solution, elle est simple. Ils le conseillèrent d'aller au Hijaz, dans un endroit du Hijaz là-bas, afin de consulter à ce sujet une divineresse. Bon, ils étaient beaucoup pleins d'aller consulter les divineresses par-ci, par-là. Donc, ils lui dirent d'aller consulter une divineresse qui avait un djinn à son service. Comme malheureusement, des charlatans aujourd'hui qui ont des djinns à leur service, qui, en parenthèse, disent aux gens qu'ils peuvent prédire l'avenir, qu'ils peuvent sortir les gens de la misère, de la pauvreté, alors qu'eux-mêmes, ils sont la plupart du temps pauvres. Hein. Donc, ils ne se sont pas sortis, eux, de la pauvreté, mais ils vont sortir d'autres personnes de la pauvreté. Donc, vous voyez souvent, en France, même dans d'autres pays européens, ils mettent des petites pubs, hein, dans les boîtes aux lettres pour dire telle personne, voilà, il va vous aider à avoir l'amour de votre vie, votre âme sœur, en parenthèse, plein de choses comme ça. Voilà. Donc, c'est souvent des gens qui travaillent avec des djinns, avec des démons, des esprits maléfiques. Et ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que même au temps du Jahiliya, du paganisme, ils avaient cette façon, malheureusement, de faire. Donc, c'est dans la péninsule arabique
Voilà, quelqu'un qui m'a posé la question. C'est dans la péninsule arabique. Donc, cette femme, cette divineresse-là, qui avait un djinn à son service, Abdelmoutallab a été conseillé d'aller la voir, d'aller la consulter. Et lui dire que si elle te conseille de dégorger ton fils, ben, tu le feras. Si elle te conseille autre chose, tu dois suivre son avis. Et cette divineresse, elle habitait exactement à Khaybar. À Khaybar, elle habitait exactement. Et certains disent qu'elle s'appelait Sadja ou Saja, hein, selon la façon de prononcer. Certains, les historiens disent qu'elle s'appelait comme ça, Saja. Et elle était à Khaybar. Donc Abdelmoutalib s'est déplacé jusque là-bas et elle lui dit, mon djinn. Donc, elle ne parle pas d'Allah. Elle dit, mon djinn m'a informé à ce sujet. Donc, elle posa la question, quel est le prix de 100 chevaux? Le prix de 100, c'est quoi? Quand une personne a malheureusement tué une autre personne, il y a un prix de 100 qui est imposé. Donc, elle lui demanda, chevaux, c'est-à-dire à la Mecque, dans votre tribu, les Quraysh, quel est le prix de sang? Abdelmoutalib dit, le prix de sang est de 10 chameaux. À leur époque, c'était 10 chameaux. Donc, la divineresse leur dit, revenez avec les chameaux et l'enfant. Plus les 10 chameaux, et nous allons faire un tirage au sort. Donc, une fois que le tirage au sort établi, une fois que le tirage au sort établi, si cela est en faveur de l'enfant, vous allez rajouter encore des chameaux. Vous allez rajouter encore des chameaux jusqu'à ce que votre seigneur soit satisfait. Mais si le tirage au sort est en faveur des chameaux, ben, vous allez égorger tous les chameaux. Donc, je récapitule un peu ce que elle a dit. Donc, elle leur conseilla de repartir, de revenir avec l'enfant et les chameaux, les 10 chameaux. Et ils vont faire un tirage au sort. Si le tirage au sort est favorable à l'enfant, c'est-à-dire que c'est l'enfant qu'il faut sacrifier, au lieu de sacrifier l'enfant, il faudra rajouter encore des chameaux. En rajouter encore jusqu'à, elle dit, que votre Seigneur soit satisfait. Par contre, si le tirage au sort sort en faveur des chameaux, en ce moment, il faudra sacrifier tous ces chameaux-là. Donc, ils sont partis. Quand ils sont revenus, le tirage au sort fut favorable à l'enfant. Le tirage au sort fut favorable à l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté 10 chameaux. Ils ont refait un tirage au sort. C'était favorable à l'enfant. Ils ont rajouté encore 10 chameaux. Ils ont refait un autre tirage au sort qui fut favorable à l'enfant. Ils rajoutèrent encore 10 chameaux. Jusqu'à ce que le nombre de chameaux monte à 100. Donc, de 10, ils sont arrivés à 100 chameaux. De 10, ils sont arrivés à 100 chameaux. Et enfin, arrivé à 100 chameaux, quand ils ont tiré au sort, ce fut favorable à l'enfant. Et ce fut favorable plutôt au chameau. Arrivé à 100 chameaux, quand ils ont refait le tirage est sorti en faveur des chameaux, c'est-à-dire qu'il fallait sacrifier les chameaux. Mais Abdelmoutalib n'avait pas le cœur tranquille. Donc il leur dit, nous allons refaire encore des tirages pour être encore plus certains. Donc ils ont refait trois tirages de suite, l'un après l'autre, et c'est ressorti en faveur des chameaux, encore en faveur des chameaux et encore en faveur des chameaux. Donc trois tirages, une fois que les chameaux sont arrivés à 100 et que c'était favorable aux chameaux, ils ont refait encore trois tirages. De sorte que ces trois tirages sont sortis en faveur des chameaux.
Donc, c'est en ce moment-là qu'ils ont sacrifié les 100 chameaux pour, disons, sauver la vie de cet enfant, ce jeune homme qui, plus tard, est devenu le père de notre très cher et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici s'arrête l'histoire. Ici s'arrête l'histoire du sacrifice. L'histoire du sacrifice l'histoire du sacrifice qui devait avoir lieu, mais qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas eu lieu. Donc, ici, s'arrêta cette histoire de sacrifice. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et par sa miséricorde, a épargné la vie du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par ses 100 chameaux. Et les historiens disent, c'est de là que les Arabes ont établi à cette époque-là que le prix de sang est maintenant à 100 chameaux. Le prix de sang à 100 chameaux. Et quand l'islam est venu, l'islam a gardé cela. L'islam a gardé le fait que le prix de sang est de 100 chameaux. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, avant de terminer, c'est l'événement de l'éléphant. Donc je vous avais dit que par rapport à Abdelmouttalib, il y avait trois choses à retenir. Il y avait trois choses à retenir. La première des choses, la redécouverte de Zamzam, du puits de Zamzam. Et l'événement de l'éléphant. L'événement de l'éléphant. Cette époque, Abraha al-Habashi, qui était un gouverneur du Yémen, sous règne de Najashi. Mais pas le parce que Najashi, c'est un titre, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Donc, les rois qui régnaient en Éthiopie jadis s'appelaient comme ça, An-Najashi. Donc, sous le règne de ce An-Najashi, Abraha était nommé gouverneur au Yémen, parce que l'Abyssinie de l'époque, l'Éthiopie d'aujourd'hui, avait conquis beaucoup de terres, et parmi ces terres-là, il y avait le Yémen. Et il est marqué aussi dans certains livres d'histoire, que Abraha était vice-roi au Yémen. Donc, lui, Abraha al-Habashi, quand il a vu que les gens allaient au pèlerinage vers la Mecque, les gens allaient au pèlerinage vers la Mecque. Donc, ils posèrent des questions. Il dit, mais vous allez jusqu'à la Kaaba, jusqu'à la Mecque pour faire le pèlerinage? Donc, moi, je vais construire ici un endroit où vous pourrez faire le pèlerinage au lieu d'aller jusqu'à la Mecque. Donc, il a eu cette idée-là. Donc, comme ils étaient chrétiens, parce que les rois éthiopiens même de l'époque, c'était vraiment des chrétiens. Était un café, il a construit une grande cathédrale. Et une fois qu'il a construit cela, son programme était de détourner les gens de la Kaaba au lieu que les gens voyagent vers la Kaaba pour pouvoir accomplir le pèlerinage, que ces gens-là viennent là-bas au Yémen, à Sanaa, exactement où il avait construit la cathédrale, c'est à Sanaa, que les gens viennent là-bas pour faire le pèlerinage afin de pouvoir détourner les gens de la Kaaba vers son
son pèlerinage à lui, à l'endroit de son pèlerinage à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il a fini de construire cette immense cathédrale, il y a un bédouin de Bani Kinana, qui pénétra une nuit dans cette cathédrale pour faire ses besoins. Subhanallah. Pour faire ses besoins. Donc, il a fait ses besoins dans cette cathédrale. Et akramakumullah, il a pris ses excréments. Il a commencé à barbouiller sur le mur de devant, le mur de la cathédrale, où les gens devraient venir faire leur pèlerinage. Il prit ses excréments et il a barbouillé sur le mur. Et lorsque Abraha a pris cela, cela provoqua en lui un courroux, une colère immense. Donc, c'est en ce moment, pour se venger, il a mené une grande armée, certains historiens disent, de 60 000 soldats. Imaginez-vous, une grande armée de 60 000 soldats en direction de la Kaaba. Et ils avaient des éléphants. Certains savants disent qu'il y avait entre 9 et 13 éléphants. Et les éléphants ne sont pas du Yémen. Les éléphants sont venus de l'Abyssinie, de l'Éthiopie d'aujourd'hui, la Abyssinie. Puisque au Yémen, on ne trouve pas des éléphants, on le trouve plutôt du côté de l'Afrique, du côté de Al-Habasha. Donc, ils ont fait venir des éléphants pour cela, entre 9, voire 13, d'après certains historiens. Et lui, Abraha, il prit l'éléphant le plus énorme. Le plus énorme fut son éléphant à lui. Donc, quand ils sont arrivés dans une vallée qu'on appelle Al-Muhassir, une vallée qu'on appelle Al-Muhassir, qui est située entre Muzdalifa et Mina. C'est une vallée qui est située entre Muzdalifa et Mina, qui s'appelle ceux qui vont au pèlerinage. Peuvent avoir l'occasion de pouvoir voir ces endroits. Donc, à l'époque, par rapport à l'événement de l'éléphant, quand ils sont arrivés à cette vallée-là, qui est Al-Muhassir, qui se trouve entre Muzdalifa et Mina, l'éléphant s'accroupit. Son énorme éléphant. Pour lui, c'était le plus énorme éléphant qui allait faire des dégâts. Malheureusement, arrivé à cet endroit-là, Al-Muhassir, l'éléphant s'accroupit et refusa d'avancer à la Kaaba. Et toutes les fois qu'on le dirigeait en direction de la Kaaba, il ne voulait pas, il restait accroupi. Mais quand on le dirigeait vers le sud, vers l'est ou vers le nord, l'animal se déplaçait rapidement. Mais dès qu'on l'orientait vers la Kaaba, c'est-à-dire à l'ouest, l'animal s'accroupissait. Et c'est ce moment-là que Allah Azza wa Jalla a révélé, a envoyé, comme il a dit dans le sourate Al-Fil, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux par voler. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala. Et il envoie quoi? Wa arsala alayhim tayran ababil. Il envoya des oiseaux par voler qui leur lançaient des pierres. Voilà. Donc, et ces pierres-là, quand elles. C'était des pierres, certains disent, il y avait trois pierres par oiseau. Une pierre sur le bec plutôt, et une pierre sur les deux pattes qui étaient. Et ils lancèrent cela comme le Coran a dit, et quand ça tombait sur une personne, cela décimait quasi la personne, hein. Son corps commençait à se décomposer d'une façon extraordinaire. Donc, Allah Azza wa Jalla dit, de sorte que il les a rendus semblables à de la pâte mâchée. Arsala alayhim tayran al-babir, tarmihim bi hijaratin min sijil,
فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول. Donc Allah Azza wa Jal les a rendus semblables à de la paille mâchée. Donc ce fut un grand vent qui a fait du bruit à travers toutes les contrées. Même les grandes civilisations de cette époque ont entendu parler de cela. Et à cette époque, les grandes civilisations, c'était la civilisation des Romains, la civilisation des Perses. Donc cette nouvelle de l'événement de l'éléphant et de la perte de Abraha et son armée est arrivée dans ces contrées-là, même lointaines. C'est ainsi que le Cheikh Sofiur Rahman al-Mubarak Fouri, dans son nectar cacheté ou le nectar extampillé, Ar-Rahik al-Makhtoum, il indique que cet événement a eu lieu au mois de Muharram, 50 ou 55 jours avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc 50 ou 55 jours avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'événement de l'éléphant a eu lieu. Et dans les calculs, cela correspond à la fin janvier ou au début mars de l'année 571 après Jésus-Christ. Hein? 571, disons, de l'ère chrétienne. Donc, voilà, nous nous arrêtons ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, par rapport à la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cours devait être d'une heure. J'ai débordé de 7 minutes. J'ai débordé. Oui, la qualité à Sana'a, au Yémen, Sana'a, plus précisément. Donc, si vous avez des questions, là, j'ai débordé de 7 minutes. Je peux vous accorder encore 2-3 minutes, voire 5 minutes, Inch'Allah ta'ala. Et sinon, vous pouvez envoyer des questions à info@mydars.net, Inch'Allah ta'ala. Vous pouvez envoyer tous ces renseignements sont sur le site. Et dès que vous enverrez les questions, elles seront transmises, Inch'Allah. Nous serons transmises, Inch'Allah ta'ala. Et nous pourrons, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, répondre à vos questions. Donc, je répète une dernière fois, ne laissez pas passer cette opportunité de pouvoir vous inscrire. Ça, c'est important, parce que tout ce qu'on a fait là, ce sont des introductions. Et à partir de la semaine prochaine, le week-end prochain plutôt, les cours vont effectivement commencer. Donc, inscrivez-vous dans le domaine que vous voulez, inscrivez-vous selon la formule que vous choisirez, mais faites-le le plus tôt possible, Inch'Allah ta'ala. Parlez-en autour de vous, afin que beaucoup aussi puissent profiter des cours de My Dars. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour votre patience et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions ensemble cheminer dans la sira, comprendre la sira et prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le modèle de notre vie, l'exemple même de l'humanité, Inch'Allah ta'ala, et que nous puissions aussi avoir les qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait, peut-être pas avoir toutes les qualités, mais les qualités essentielles telles que la patience, telles que la persévérance, telles que aimer le bien pour l'humanité tout entière, Inch'Allah ta'ala, et vouloir le khair, que le khair se répande malgré les situations difficiles que nous vivons au quotidien aujourd'hui par rapport à cette pandémie aujourd'hui, c'est maintenant une pandémie, et que nous prenions comme exemple aussi les compagnons, comment est-ce qu'ils ont vécu les épreuves, quelle était leur réaction, et augmenter notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et profiter de ces moments de confinement pour pouvoir améliorer notre relation avec Allah subhanahu azza wa jal, pour pouvoir se remettre en question, demander pardon pour nos péchés, par rapport à nos manquements et tout ça, et s'excuser auprès des gens que nous avons offensés aussi par nos paroles, par nos gestes. Je pense que ça doit être une période qui doit nous permettre de nous remettre en question, ça c'est très important.
Et inshallah ta'ala, celui qui se repent sera aimé par Allah Azza wa Jal. Le repentir, c'est une voie aussi pour être aimé par Allah, car Allah dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime at-tawwabin, ceux qui se repentent, et Allah aime al-mutatahhirin, ceux qui se purifient. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.